Guattai a tutti ciurma e benvenuti ragiocherini in questo nuovissimo episodio su A Plague Tale Requiem. Vi ricordo ragazzi il vostro sostegno con le like assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno dopo che ragazzi è successo l'irreparabile, Arnaud è stato arrestato, il conte e la contessa sono stati estremamente gentili con noi e tutto ciò comunque mi ha fatto sorgere non pochi sospetti, perché sembra veramente ragazzi tutto troppo bello per essere vero. Quindi attualmente sono un pochettino preoccupata perché temo che tutta questa gentilezza, tutto questo benessere tra virgolette attuale potranno essere molto presto spezzati magari da qualche brutta verità. Per cui l'ultima volta ci eravamo lasciati qui, dobbiamo cercare di arrivare appunto a questo benedettissimo santuario. Siamo accompagnati anche da Sofia, quindi non possiamo farci vedere né uccidere i soldati. Hors de question que je les attaque. On serait jeté en prison. Ou pire, j'ai une botte secrète. Ce prisme concentre la lumière. Il peut brûler les herbes hautes. Ça fait de la fumée et ça attire l'attention des gardes. Waouh. Alors essayons. Dis-moi où tu veux attirer un garde. Uniquement dans les hautes herbes. L'enfant sait. Sofia può attirare i nemici nell'erba alta. Tieni premuto L1 e quindi triangolo per creare un diversivo. Ok, però mi chiedo quale sia il diversivo migliore. Cioè quale sia il posto migliore. Ça a marché. Parfait. Bougez dès qu'il est parti. Ok. C'est tout jamais longtemps. D'accord. Facciamo meglio a muoverci perché appunto l'effetto non è che duri poi tanto a lungo. C'était sûrement rien. Immaginatevi un po' sti poveracci ragazzi. Ok, mi sa che dobbiamo muoverci. Però se nessuno guarda la cosa potrebbe essere un pochettino problematica in effetti. Maledizione. Ok, allora questo qua è comunque di spalle, per cui muoviamoci, vediamo se siamo fortunati. Voilà la porte. Dépêchons-nous. Pas de quoi s'inquiéter. Meglio muoversi. No, no, non c'è visto, non hai visto, non hai sentito nulla, assolutamente nulla, sì, sì, non si è accorto per niente della nostra presenza. Ok, ma trovare un altro attrezzo per caso, magari per migliorare qualcosa. Ok, creiamo un po' di questo, prendiamo alcol, non posso migliorarmi nulla ragazzi, quindi procediamo. Dai, Ugo, su, forza e coraggio, dai. Non guardate in giù, so che non è facile. Non guardare giù. Oh! Cazzarola. Sì, 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 tutto benissimo. Tutto benissimo. J'aime pas tes acrobaties, petit. Je veux partir. Sì, 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 piano piano, dai. Piano piano. Mamma mia. Ok, ok. Tout va bien, Hugo. Bene. Je suis désolée, c'était beaucoup trop risqué. Ça va mieux. Ma non avevamo altra strada comunque. C'est rien, c'est juste. Ce qui me fait le plus peur. Il a appena affrontato l'incubo peggiore. En terrain sûr. Quindi, posto di blocco aggirato, adesso dobbiamo raggiungere las madres. Oh, vediamo un po' cosa ci troveremo di fronte, ragazzi. Un po' di timore. Vi esprimo di nuovo. Il timore che vi esprimevo l'altra volta, c'è qualcosa che non va secondo me. Oh, Arnaud les a vraiment énervés. Cavolo. Je crois qu'on n'est pas du tout les bienvenus. De toute façon, il est hors de question de se faire repérer. On serait soit tué. No, non lo è, non è un'opzione, assolutamente. Sur le chemin principal. Faisons le tour. Attention. Les enfants. Gâchez le moment le plus important. Allora, per ora qui siamo un attimo al sicuro. Oddio, che è? Pensavo minimamente che sarebbe entrato qualcuno qui. È stato bellissimo, ero lì che mi facevo i miei giretti. Ok, allora, ma non possiamo utilizzare... Sì che possiamo, vai Sophie, tocca a te. Sì, ma questo qua c'ha l'elmo in faccia, non se ne accorge per questo motivo? Va bene. Intanto vediamo di infilarci di qua. Dobbiamo ovviamente aggirare la strada principale, ragazzi. Non sarà così facile. È mosto stronzo. Questo tipo si deve togliere dai maronzi, però, eh. Ok, proviamo ad aggirarlo adesso che è di spalle. Muoviamoci, magari. Tappiamoci nell'erba.
Ok, almeno fin qui siamo riusciti, ragazzi. Però comunque può essere rischioso. Vedete? D'accord. Sto benedetto santuario, ragazzi. L'enfant appelle la paix, pas les armes. Sofia, ton prisme nous serait utile. On va faire un beau feu. Ma io non so se possiamo passare da qua senza che qualcuno ci veda. La fumée? Elle vient d'où? Ça marche à tous les coups. Ok, state buoni. Vediamo se possiamo procedere da qua senza che qualcuno ci veda. Sono un po' in ansia, ragazzi, vi dico proprio sinceramente, perché comunque qua soldati sono dappertutto. C'è presque troppo facile. Beh, così facile mica tanto, Sofia, eh? A noi che ci va abbastanza de culo, ma per esempio questo qua grosso mi sa che non si fa attirare dal fumo, eh? Non vorrei dire. Sofia, utilizzo questo. Vediamo che succede. Ah. Ovviamente ci va solo lui. Funzionato solo per quello che l'ha visto veramente. Perché questo grosso, regà, non se lo incula proprio di striscio il fumo. Ah sì, invece sì, a quanto pare. Questo qua, è questo qua che è girato di qua, ragazzi, il problema. Quindi mi sa che devo fare un azzardo incredibile. Un azzardo veramente pazzesco, ragazzi. Mamma mia, non pensavo che l'avrei mai potuto fare. Quindi procediamo di qua, stiamo nascosti per l'amore del cielo, sfruttiamo anche qui l'erba e... Oh no, sta per chiudere la porta. Adieu, notre petite visite. Sofia, ton prisme. Oh no, on avançait bien jusqu'ici. Che palle. Aspettate, raga. No, dai, ma che cazzo di sfiga! Ero arrivata! No, non mi dica che me devo rifare tutto, te prego. Almeno da qua, ti prego. Ok, meno male. Almeno da qui, ragazzi. La fumée? Ok. Intanto che lo distraiamo, procediamo di qua. Di sopra c'è un altro tizio, ma per ora è di spalle. Rien. Hanno chiuso la porta a chiave, immagino. Ovviamente sì. Quindi dovremo fare un altro giro, ragazzi. Approfittiamo per ora che il gorillone è ancora di là. Ok. Qua abbiamo una piccola cassa. Raccogliamo quello che possiamo. E credo che dovremo entrare qui. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Possiamo salire e magari accedere da qui in qualche altro modo. Come attraversiamo? On y est presque. Speriamo. Mamma mia, l'abbiamo fatta di strada, raga, per arrivare fino a qua, eh. Ok. Oui. Comment tu te sens, Hugo? Un peu bizarre, mais bien. Je suis sûre qu'il y a quelque chose dans la montagne. Ne sono sicura pure io. Je vous fais confiance. Rassemblez-vous tous. C'est le comte et la comtesse. On arrive juste au bon moment. Nous attendons encore quelques retardataires. D'ici là, n'ayez pas peur de vous rapprocher. Des retardataires? Je dirais que c'est nous. Qu'est-ce qu'on va faire? On va bien trouver. Che cosa dobbiamo fare adesso, in effetti? Non è che ci possiamo presentare lì così, come se nulla fosse, ragazzi. Quindi non lo so. Ok. Amis et enfants. Nous fêtons le jour le plus long de l'année. Les rayons du solstice d'été reviennent illuminer nos vies. Pourtant, dans ces couloirs glacés, à l'abri du soleil, l'enfant des braises dort paisiblement. Mm. L'heure est venue pour le glorieux phénix. Le phénix, il y a une phénix de raviver c'est ton oiseau. Ainsi, nous nous montrerons dignes de veiller sur lui. Telle mère. Tel père. Prions tous ensemble avant de franchir le seuil. Che fanno? Viens. Possiamo mascherarci anche noi. Così possiamo entrare indisturbati. Risqué, mais ça peut marcher. On va mettre des déguisements? Così sembrerebbe. Dobbiamo vedere cosa combinano qua, ragazzi. Meno male che ci stavano ste tuniche, ste cose.
non mi piace per niente, ragazzi. Ouvrez vos esprits et vos cœurs. Son récit va vous être conté. Afin qu'il ne soit jamais oublié. Qu'est-ce qu'on fait? Suivons-les à notre tour. Et faisons ce qu'ils disent. Mm-hmm. Ils ne doivent pas nous reconnaître. Oui, allez. Bene, seguiamoli, ascoltiamo questa benedetta storia allora. Ammazza che posto. Cet endroit leur appartenait. Voilà des siècles, un enfant naquit sur cette île. Son cœur était béni par le soleil. Et de lui, il a hérité la flamme qui gouverne en toutes choses. Ainsi naquit l'enfant du feu. Quoi? Sa flamme illumina le monde. Il le bénit de son parfum, de ses rires, de sa joie. Pour foyer, il choisit Lacuna. L'île devint un havre de vie et de paix, un lieu de guérison, de prospérité. Lacuna devint un berceau de lumière. Mais le mal convoite la lumière. Et le mal est impitoyable. Venez. Un enfant sur un trône, dans un temple de l'ordre. C'est lui, c'est l'enfant des braises. Prenez place à nos côtés. Regarde, così le strano, dessin, ragazzi. C'est le porteur de la Macula. Cette fresque était dans le laboratoire de père à la maison. Ah. À genoux. Oh, cavolo. Le mal trouva l'enfant dans ses lieux sacrés. Il se nourrit de sa flamme. Il l'affaiblit. Marqua sa chair de noires cicatrices. Les bras de sa mère ne suffirent plus à le réchauffer. Et ainsi déclina sa lumière. Presque entièrement. Et l'enfant du feu devint l'enfant des braises. Seigneur. Une ère de ténèbres débuta. Les hommes l'oublièrent, mais pas nous. Cette flamme est l'ultime éclat de sa lumière, notre espoir. En ce jour, deux d'entre vous, une femme et un enfant, la porteront à travers sa nuit. Vous, vous inclinez la tête. Votre humilité vous honore. Vous porterez sa flamme dans ses heures les plus sombres. Prenez-la. Grazie. Vous marcherez dans ses pas. Vous sentirez le froid mordant la chair. Vous vous noirez dans l'absence de lumière et l'incertitude. Vous verrez l'enfant mourir à travers les yeux de sa mère. Ma che vuol dire, vous serez tutta à la fois cosa? Victime et témoin. Gardez la flamme en vie. Quoi qu'il en coûte. Les porteurs ont été choisis. Prenez place. Qu'est-ce qu'on fait? On doit jouer le jeu. Il faut traverser. Ok. Vado. Avancez. Et portez-lui la lumière. Tout repose sur vous. Sicuramente. Diciamo di sì, anche se sinceramente non lo sto capendo. C'est lui. C'est ses fresques. La peste. Il pense qu'elle est apparue à cause de la mort de l'enfant. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la Macula? Je ne pense pas. Ils ont interprété tout ça. Ils ont fait un dieu du porteur de la Macula. Amicia, l'eau va éteindre la torche. Ah, je pense que ça fait partie de leur rituel. Se noyer dans l'absence de lumière. Ah si. J'ai froid. C'est fini. On va bientôt se réchauffer. C'était horrible. Mais tu as réussi. È più orribile questo, direi. Il buio più totale. Tout va bien. Non. Più orribile questo. L'enfant. Allez, marche. Je suis avec toi. Il meurt dans les bras de sa mère. Le mal a triomphé. Les siècles passent. Famine, guerre et peste s'abattent sur nous. Il rêve d'un feu renaissant. J'ai froid. Non, sors, Hugo, non, sors. La torche s'est éteinte. Vous n'êtes plus seul. L'enfant doit retrouver sa mère. Ses braises rougeoient dans les ténèbres. Je suis la mère et je l'accueille. Remettez-la moi. Ok, mica perché li vedevo, ragazzi, eh. Vous avez bien agi.
l'enfant doit renaître. Entends-moi, enfant. Je ne suis plus inféconde, car ta flamme vit en moi. Je suis la mère. Deviens le phénix, l'enfant du feu, ressuscité. Ma questi sono fanatici, ragazzi. Soufflez sur ces flammes. Oh. Oh. Le phénix. C'est le phénix. Chut. Oui, je le vois. Il existe. Même si c'est l'ordre, tout est vrai. Puisse le souffle de venir animer cette flamme. Hé, hey, c'est moi. Ah. Sophia. Ciao. Venez, j'ai trouvé un passage là-bas. C'est maintenant ou jamais. Sì, ma siamo nel bel mezzo di sto rituale. Allume sa flamme. Cioè, come fanno a non beccarci, scusa, eh? Eravamo nel bel mezzo. Vabbè, ok, diciamo di sì. Infatti, appunto. Mamma mia, raga, vabbè, ma qualcuno ci avrà visto andare via, scusate, eh? Ma che cavolo. Eh sì, andiamo, però... Boh, mi sembra un brutto momento, ragazzi. Veramente un brutto momento. Oh. C'est vraiment incroyable. Tu l'as dit? Tipo l'albero che ha sognato Ugo. Un trône d'enfant. Il vivait là. Leur enfant des braises. Il n'y a pas d'enfant des braises. Je t'ai parlé de l'ordre. Ce lieu leur appartenait. Et cet enfant, sur les fresques, c'est le porteur de la Prima Macula. La Prima Macula. Ça devient de mieux en mieux. Les alchimistes l'appellent la première corruption. Elle est dans le sang d'Hugo depuis sa naissance. Et elle continue de grandir en lui. Et elle le tuera. C'est la raison d'être de cet endroit. Accueillir le porteur de la Macula. L'ordre se serait rassemblé ici afin de l'étudier et de trouver une solution. Et Hera... Ne me dis rien. Mort, guerre, maladie et famine. Pas seulement. Les rats sont... Peu importe, ils se trompent totalement. Il n'y a pas d'enfant des braises. Aucun enfant ne va sauver le monde. Ce n'est qu'une légende, fondée sur de faux espoirs. Honnêtement, rien de tout ça n'a de sens pour moi. Une partie est vraie. Et elle peut sauver Hugo. C'est la seule chose qui compte. Basilius et Aelia. Ça change rien. Cette eau est pas magique. Pourquoi l'eau... Oh, l'eau qui te soignait dans ton rêve. C'est comme un symbole. Comme les dessins alchimiques de maman. Tu sais, l'eau croupie, c'est rarement magique. Hé, hey, viens voir. Ça, c'est son trône. Et là, je crois que c'est son nom. Basilius. C'était un porteur, comme toi. Tu n'es pas le seul. C'est pour ça que tu as fait ce rêve. Quelque chose t'a appelé ici, pour une bonne raison. C'est vrai, regarde cet endroit. S'il y a un remède, il est forcément ici. Et c'est qui, Aelia? On dirait qu'il y a un passage qui mène ailleurs, là, derrière. Allons voir ça. Beh, non resta che continuare a cercare. Allez, ragazzi. Viens. Je suis sûre que nous allons trouver des choses incroyables. Mm.
Pure Ugo ormai avrà perso un po' di speranze perché ci credeva tanto in questo sogno. Quindi, boh, non so che dire, ragazzi, sono abbastanza interdetta anche io. C'est quoi tout ça? Est-ce qu'on est les premiers à venir ici? Oh, une cabane! C'est vrai? Elle a l'air intacte? Trop sacré pour eux, probablement. Di questi veneravano praticamente, insomma, la macula, cioè perlomeno il bambino colpito dalla macula. E tu sais à qui est cette chambre? C'est la sienne. C'est la chambre de Basilius. Tu imagines? Il vivait ici, jouait ici, il s'asseyait là où tu es assis. C'est incroyable, non? Oui. Et il aimait construire des cabanes, comme toi. Tu aimes les cabanes? Moi aussi. Il avait un phénix. Oui. Il faisait peut-être les mêmes rêves que toi. Voyons ce qu'il nous a laissé d'autre. Vediamo. Vediamo se c'è qualcos'altro di utile, ragazzi. Tra l'altro io non ho la minima idea manco di quanto manchi alla fine. Regarde. Quel joli cheval. Il est à ta taille. À mon avis, il avait ton âge. Oui. Tante coincidenze, no, ragazzi? Regarde ça. Ce sont des gens. Des gens importants, peut-être? Des prophètes. Il y avait des prophètes dans l'ordre? Ce sont des méchants. Je crois qu'ils lançaient cette balle sur eux. Ça fait sens, les garçons. Moi aussi, j'aime ce jeu. Viens. On n'a pas tout vu. Dobbiamo guardare il resto. Spero non ci sia niente di troppo terrificante, wow. Ragazzi. Oh mio Dio. C'est la chambre d'un guerrier. Pas n'importe quel guerrier. Regarde la forme de l'armure. Madonna. Credo. Eh bien, quoi? C'est l'armure d'une dame. Oh. Aelia! C'est sa chambre, bien sûr! C'était elle, sa protectrice. Protectrice? La garde personnelle du porteur. Comme. Comme moi, aveva detto Baudin. Elle avait l'air forte. Caspita. Des épées, des lances. Waouh! Regardez cette hache aussi. Je me demande si elles étaient utilisées. Cet endroit a été construit pour éviter ça. Le porteur attire l'attention. Précieuse petite créature. Regarde, des tablettes de cire. Elles sont gravées. Il l'a dessinée. Et là, il s'est dessiné avec elle. Il l'aimait vraiment beaucoup. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble, on dirait. Magari... Magari erano fratello et sorella. Vraiment étrange. Ça l'est. Magari erano fratello et sorella. Cos'altro abbiamo qua? Des jouets. Il venait ici pour jouer avec elle. Et elle s'est prêtée au jeu. C'était la meilleure des chevaleresses. J'aurais tellement voulu les rencontrer. Beh, evidentemente sono cose che si ripetono da secoli, appunto. C'est incroyable. C'est comme si je les connaissais. Comme si Basilius aurait pu être mon ami. Je vois ce que tu veux dire. Oh, regarde. Eh, encore cet oiseau. Cette forme, c'est le symbole de l'ordre. Le phénix, c'est l'ordre, c'est juste ça. Oh, désolé. Mais non. Ça explique pourquoi ils se dressent au-dessus de l'enfant sur leur fresque. Ils pensaient qu'ils étaient mieux que lui. Ils s'en fichaient de lui. Ça ne change rien pour nous. Viens, faisons ce qu'on doit faire, d'accord? Vediamo. Quindi sta fenice è direttamente collegata all'ordine, ragazzi, cioè al simbolo dell'ordine comunque. Quindi non c'è niente di positivo, temo, in tutto questo. C'est quoi tout ça? Un laboratoire d'alchimiste. On peut partir maintenant? Mais ça ressemble exactement à ce que tu cherches, non? Oui. Mais non, non, tu as raison. Chercher tout ce qui pourrait nous mener à un élixir, une potion, des livres, des dessins, peut-être des produits bruts. On s'y met. Si, ma... Bon, non so, ragazzi. Un atanor. Oh, non. Son contenu a disparu depuis bien longtemps. Beh, direi. Oh, sarà quanti secoli stanno qua ste robe. Tout ça est inutile. Pitié, donnez-moi quelque chose. Un brutto presentimento, ragazzi. Spero di sbagliarmi, sinceramente, ma... Non, ton sang. Hé, moins fort. On trouvera quelque chose.
Ah, che cosa? Lucas Sorel, qu'est-ce qu'il faisait là-dedans? Seigneur, donnez-moi une piste, pitié. Ça remonte à des siècles. Tu t'attendais à quoi? Je crois que le petit a besoin de toi, Amicia. Oui. Che succede? Ça va pas? Il lui faisait du mal, à lui aussi. Je sais que les choses se passent pas comme tu l'espérais, mais... Rien ne change jamais, Amicia. Mais Aelia était là pour le protéger, pas vrai? Tu as laissé Vaudin... Non! J'ai voulu l'arrêter. Je sais que tu as essayé. Mais pardon. Tiens. Venez voir, vous deux. Sophia? Où es-tu? En haut. Comment t'es arrivée là? Regardez derrière les rideaux. Ah, di qua c'è un passaggio. Ah, madonna ragazzi, si mette male. Viens, Hugo. C'est quoi ça? Il y a pas de porte. Une sorte de salle d'observation. Vediamo. Qu'as-tu trouvé? La bibliothèque de tes alchimistes. On dirait qu'ils observaient l'enfant d'ici. Comme s'il était en cage. On est au-dessus de la table du laboratoire. C'est mal. Imagine ces salopards réunis ici, en train de l'observer. Concentrons-nous sur ce qu'ils ont découvert. J'ai peut-être une piste. Ils parlent d'un remède? Non, mais ils ont pris d'autres notes. Non credo che siamo sulla via giusta, ragazzi. Tes alchimistes, ils ont noté tout ce qui arrivait au porteur. C'est classé par date. La dernière inscription remonte à l'an 541. 541? Qu'est-ce que ça dit? J'ai pas travaillé mon latin depuis le couvent, mais ça parle de Basilius et d'une Aelia Dragas, sa protectrice. Alors c'est vraiment arrivé. Ils étaient comme nous. Il leur est arrivé quoi? L'ordre a séparé Aelia du porteur. Elle s'est rebellée et ils l'ont arrêtée près d'une tour ronde. Et ils l'ont emmenée dans une capella, une chapelle, dans un fort. Et Basilius, il est où? Aucune idée. Bon, on a déjà quelques pistes. Un fort, une tour ronde. Oh oh. Ils arrivent. Heureusement qu'ils ont pris leur temps. Oui, on doit filer d'ici, vite. Mamma mia. Via per scappare. Non abbiamo molta altra scelta. Lascia il santuario. Vabbè, ma adesso andare sulle tracce di questa tipa, cioè a quanto pare comunque una cura non l'avevano trovata, Puisse cette eau putride sceller notre volonté de rester à tes côtés nuit et jour. Je ressens ton mal. Je partage ta douleur. Nous te protégerons. Nous t'aimerons. Je suis le père. J'attends ta venue. Je suis la mère. J'attends ta venue. Rejoins-nous quand tu seras prêt. Nous le sommes. Comment ils font pour rester dans cette eau? Ils désirent tant cet enfant. C'est triste qu'ils se trompent à ce point. C'est comme moi. Ils savent pas encore qu'ils se trompent. Ils seront très tristes. Elle disait que tout serait facile, Hugo. Ça veut pas dire que ça va jamais s'arranger. Tu es sûr? Ton rêve nous a montré une vérité différente. Mais c'est une vérité. On peut encore s'en servir pour tout changer. Peut-être. Speriamo, cioè.
Speriamo che sia vero, nel senso che questo sogno significherebbe che c'è una possibilità di guarigione per Hugo. Però la vedo male, ragazzi. Secondo me succederà qualcosa di brutto molto presto, eh. Perché è stato tutto fin troppo semplice, tra virgolette, fino ad ora. J'aurais aimé que tu vois mon rêve. Au début, ça faisait peur. Mais après, tu aurais vu toutes ces fleurs. Continue d'en parler, s'il te plaît. L'arbre sentait si bon. Avec des branches comme des cheveux. Il avait l'air doux. Continue. Et l'eau. On aurait dit qu'elle pouvait tout guérir. La différence di questa, eh. Infatti, che schifo. C'est bien, Hugo. Oh que oui. Seguiamo la luce, dovrebbe essere la direzione giusta. Yeah. Passe une semaine en mer avec mon équipage. Ça donne un nouveau sens au mot puanteur. Ça m'a bien suffi. Mamma mia. Allons voir ce fort. Hugo? Il n'y avait pas de fort dans mon rêve. Peut-être. Mais ton rêve nous a mis sur la bonne voie. On a appris plein de choses. Et on va bientôt découvrir le reste. Tu ne veux pas savoir ce qui est arrivé à cette Aelia? Et à ton ancêtre? Tout va bien se passer. Ormai in preda allo sconforto, ragazzi, mi pare normale, che cavolo. Pure io lo so. On peut enlever ces habits qui sentent pas bon maintenant? Oui, bonne idée. Mannaggia, ragazzi. E qui, completato il capitolo 9, si incomincia il capitolo 10, che si intitola Linea di Sangue. Ragazzi, parlo anche poco, tra l'altro, perché vi renderete conto che ovviamente parlando i personaggi nel gioco non voglio sovrapporre la mia voce, ma sono molto interdetta e perplessa. Io non so dove ci stia guidando questa ricerca, nel senso, adesso sì, scoprire che fine ha fatto sta Aelia e poi, cioè, a quanto pare non avevano scoperto una cura, però nel sogno di Hugo lui guariva, quindi, boh, ci siamo. Très bien. Personne n'a rien vu. Bien joué. Surtout toi, Hugo. J'ai jamais vu un enfant aussi discret. On t'est tenera, Sophia. Écoute, s'il n'y a pas de fort dans ton rêve, alors on cherchera la tour ronde, d'accord? D'accord. Et peut-être qu'il y a de nouvelles décorations pour la fête? Beh, tirarli sul morale adesso la vedo un po' dura, sinceramente, ragazzi. Trova la torre rotonda. È una parola. A parte che mo dobbiamo stare a tornare fino a... Eh bien, c'était... J'arrive même pas à savoir ce que c'était. Moi non plus. Mais au moins, on a une piste. Pragmatique, ça me plaît. Pourquoi ne pas retourner voir cette carte? Sauf si tu sais où se trouve cette tour. Oui, pourquoi pas. Tout ça, c'est de la folie. Mais je n'arrive toujours pas à croire que toi, tu sois allé au couvent. Ma mère est issue d'une famille riche. Ils n'ont pas été particulièrement contents d'apprendre que mon père était contrebandier. Alors ils m'ont envoyé dans un couvent, pour me nettoyer de ses péchés. Ça n'a pas tellement marché, apparemment. Mieux vaut être dans le péché et libre. Alors je me suis enfuie, j'ai rejoint mon père et... Il faut faire attention. Si mon rêve s'est trompé, il y a peut-être des choses encore pires. Hé, regarde autour de toi. Tout va bien. Ça remonte à des siècles, non? Elle a raison. On est avec toi. Sì, ma torre rotonda, cioè, come la trovo? A parte che tutte le torri che sto vedendo sono comunque di forma spigolosa, quindi non vedo torri rotonde qua intorno. En ce jour à Dieu, nous célébrons l'enfant des braises avec notre vie, notre joie et l'unité du lien que nous partageons avec la mer. Puisse la lumière de nos âmes sortir l'enfant. Quei mulini, ragazzi, sono rotondi. On y est. On dirait que la fête a vraiment commencé. On peut passer par là? Ce sera agréable. Ok, tanto comunque dobbiamo passare qua in mezzo.
Quindi potrebbero essere considerate torri, no? Quei mulini. Béni soit l'enfant, béni soit la mère, béni soit les jours où il reviendra. Regardez-les, ils savent vraiment faire la fête. Et s'ils savaient la vérité? Ils n'en ont pas besoin, et c'est mieux pour nous qu'ils ne sachent pas. J'aimerais être comme eux. Il faut juste que tu surmontes tout ça. Mais comment je dois faire? Juste en pensant à autre chose. C'est notre tour là-bas, non? Mm-hmm. Eh bien, une partie au moins. Tout est si vieux. Comment est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose d'utile ici? Il y a forcément quelque chose. Le passé ne meurt jamais, Hugo. Des bribes de ce passé ont voyagé jusque dans tes rêves, non? Et ce sanctuaire avait encore beaucoup à nous révéler. On trouvera quelque chose dans cette chapelle. Che bello sto posto comunque. Sempre molto ammirevole il lato estetico e grafico di questo gioco. Ma procediamo allora. Trova la torre rotonda, Hugo, infatti. Attends. Mon pro chevalier prendrait-il cette tour pour moi? Quoi? Montre-moi comment tu donnes la charge. Va la prendre pour moi. Vas-y. Oui. Ne t'éloigne pas trop. Oui. Merci. C'est un peu dur pour lui. Je voulais te demander. T'es sûr de toi à propos de tout ça? Ça a l'air de peser lourd sur lui. Je sais. Et c'est le cas. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Écoute, on se connaît pas bien, mais... Vous chassez des fantômes. Des fantômes qui le terrifient. On a vécu l'enfer, Sophia. Tu ne peux même pas imaginer. T'as raison. Mais doit-il vraiment souffrir davantage? C'est la seule chose qui nous reste. Je comprends. Très bien. Vous êtes trop lente! Sois gentille avec les personnes âgées. T'es pas si vieille que ça! Alors, cette tour est déjà à toi? Non, la porte est fermée. Verrouillée de l'autre côté. Est-ce qu'on va jeter un œil à l'entour? Beh, ci dovrà essere un passaggio, qualcosa qua intorno, infatti. Là! On va vraiment la conquérir? Sì. Je ne te l'ai pas dit, mais Hugo est un roi et je suis le capitaine de sa garde. Donc tu vas régner sur ça? Mais tu peux être ma... contrebandière! Un contrat royal? Quel honneur! N'oubliez pas qu'on a tout de même un vrai fort à conquérir. Ah, t'as raison. Le fort et sa chapelle. Mi chiedo cosa potremmo mai trovare di utile. Allez, qua, ragazzi. Cioè, ripeto, che informazione comunque potrebbe risultarci utile a questo punto delle cose? Non lo so. Sono perplessa. Descends prudemment. D'accord. Veramente perplessa. Ma sono tornata giù. Ma perché salire se poi ci fanno riscendere giù? Non ho capito. A few moments later. Ritornando di qua, ragazzi, e guardando bene, ovviamente c'era un motivo per salire qua su. Infatti, aprire così il cancelletto. Attention, descendant. Tutto. Senza romperci troppo le palle, ovviamente. Quindi possiamo tornare fuori e entrare dal cancelletto principale. Quindi andiamo, Sofia. E vediamo un po' allora dove ci conduce questa benedetta torre rotonda. Vediamo quale segreto incredibile nasconde. Vous êtes prêt? Sì. Oui. Continuons. Andiamo e vediamo. Cioè, che è stata arrestata qua. J'espère que ce fort est un peu moins bondé que leur sanctuaire. En tout cas, c'est déjà beaucoup moins attirant. Je doute fort que le comte et la comtesse aient étudié les parchemins de l'ordre. Pour eux, c'est un endroit bien trop sacré. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Oui. En route. Dobbiamo entrare per forza lì? Ovviamente. Che meraviglia, guarda. Sarà l'apice del divertimento, ragazzi. Immagino solo lontanamente quanto sia pieno zeppo di guardie a romperci i maroni. Sarà pericoloso e sarà pure una bella rottura. Qu'est-ce qu'il y a?
Une tempête approche. Comment tu le sais ? Je le sais. Il est triste. Donna di mare. Et tout ça à cause d'un rêve. C'est quand la dernière fois qu'un rêve a changé ta vie ? Le jour où je suis devenue adulte. Hey, c'est une jolie fleur. Tu la veux ? Bien sûr. Il fut un temps, c'est à moi qu'il offrait des fleurs. Le temps passe, mon trésor. Ils grandissent. Allez, on doit rejoindre ce fort. Et vite. Ah si. On pourrait rester là. C'est chouette ici. Rester ici ne t'aidera pas, Hugo. On doit y aller. Et puis, une tempête approche. Figuriamoci, tempi duri, ragazzi, tempi duri davvero. Porca miseria. Dis-moi, Hugo, tu as déjà offert une fleur à une fille de ton âge ? Non, je préfère les plumes maintenant. Ah, on passe à des choses plus palpitantes. Des fleurs, des plumes. Les plumes, c'est mieux. Pourquoi ? Parce qu'elles te font voler. Je comprends. Ne t'envole pas tout de suite, s'il te plaît. Que tenero. Et Sophia... On va avoir un problème. Comment on va traverser ? Jetons un œil en bas. Sophia mi piace molto, ragazzi, come personaggio. C'è molto tenera, si sta rivelando veramente... Ne t'approche pas trop. Una persona molto tenera. Voyons si on peut l'aider. Infatti, dovremmo spaccare qua, no? Il y a une corde et un grappin sur ce poteau. La vedo la corda, infatti. Da un punto di ancoraggio puoi usare la balestra per creare un collegamento con un oggetto. Ah, ecco, ok, perfetto. Peut-être avec mon arbalète. Diciamo di sì. Oui, ça va marcher? Avec un peu de chance. Sì, funzionerà, funzionerà. Ecco fatto. Et va? Problema risolto. Marché. Regardez ça, un vrai pont d'or. Il tiendra? Évite de sauter dessus. E stiamo cercando di accedere wow, a questo forte, regardez ragazzi. Regardez cette vue. Magnifique. La mer te manque déjà? Encore. Mais ça reviendra. Mais tu vas pas partir maintenant, hein? Non, pas avant d'avoir remboursé ma dette envers ta sœur. È vero, è vero, è vero. Deve ancora ripagare il suo elle debito. Elle m'a sauvé la vie. Oh, bon. Elle a bien fait. Je suis bien d'accord. Che tenero, Hugo. Troppo tenero sto bambino, ragazzi. Oh, regardez. Wow. Voilà notre fort. C'est grand. Ça... ça fait peur. Ce bâtiment sur la gauche, on dirait notre chapelle, non ? Je crois bien. Oui, parfait. Continuons à suivre la côte. Bene ragazzi, allora mi ha appena salvato la partita, quindi riprenderemo da qui la prossima volta, ovviamente. Che dire, sono curiosa di vedere appunto dove tutto questo sta andando a parare, però ho comunque ancora una pessima sensazione. Temo che ci verrà sbattuta in faccia in qualche modo una qualche verità che potrà farci davvero tanto del male, ragazzi. Io spero, come dicevo prima, davvero di sbagliarmi. Ovviamente aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!